Alors, le dernier poète de calibrage, il s'appelle, alors j'espère qu'il est là dans la salle présentement même, il s'appelle Seb Vossel, pardon, est-ce qu'il est là? Voilà, on peut applaudir Seb Vossel, s'il vous plaît. Il a même un nom de slammer. C'est quoi? C'est Zébian, mon nom de slammer. Ah, Zébian. Et ces trois dernières années, qu'est-ce que t'as allumé? Eh bien, la scène de, du banc, voilà. Si, ouais, ouais. On va venir nous voir au banc parce qu'on a 3 minutes 24 secondes, donc il y en a qui n'auraient ouais pas une chaîne. Voilà, voilà. Ouais. Ah, une petite chanson. Nous les slameurs, nous ne sommes pas aimés. Des grands bourgeois qui pètent dans la soie. Il faut avoir, pour être à leur goût, la peur au ventre et le cerveau. Ça fait pas chic d'être poète, ça donne un genre qui se la pète. Et c'est pour ça, quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt, c'est un mauvais garçon, il slame d'une façon pas très catholique. On a peur de lui quand il monte sur scène le mardi. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il t'explique. Ça joue du point d'interrogation, un mauvais garçon. Toutes ces belles dames qui en ont marre de diams, en nous entendant, ont des airs hésitants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, sur scène ouverte, elles viendront nous voir. Elles rigoleront comme des filles qui cherchaient des blagues dans la Bible. Et nous lirons dans leurs yeux éberlués l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est une drôle de façon de rencontrer des garçons parfois romantiques. Ah, ce qu'on est bien ici, mieux que devant les experts à Miami. C'est un bien drôle d'endroit où ce qui est pensé tout bas est crié en public. Parfois bouleversant, mais souvent amusant, c'est le slam au Mans. Et ici, on est trop bonnes. Nous, les slameurs, on se couche pas de bonheur, car dans nos soirées, on a vite fait de rencontrer des yeux qui brillent, des oreilles de chou, des mots qui brillent à vous rendre fou. Avec ou sans chronomètre, ça se passe bien si t'es honnête. 3 minutes ou plus, juste le temps de savourer le texte qui vient d'être déclamé. C'est une drôle de réunion avec des filles et des garçons qui font dans le poétique. On a un verre gratuit, c'est la tradition pour un samedi. On va chercher son verre, bien souvent une bière, parfois un gin tonic. Et pour ça, faut remercier King Bobo, car c'est un bon garçon. Merci. Thank you.